Allô les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un tag parce que hier, j'avais demandé sur Instagram de me donner des idées de vidéos que je pourrais faire. Puis une fille, elle a dit le tag « Ce qu'il y a dans ton iPhone ». Ça, je voulais le faire depuis un moment. Fait que j'ai décidé de prendre son idée. Puis là, j'espère que vous voyez bien. Là, parce que là, il est comme rendu 4h30 puis il commence déjà à faire noir. J'espère que l'éclairage est pas trop mauvais. Bref. Donc, avant de commencer, parce que là, moi, en ce moment, j'ai comme pas d'étui. Moi, c'est un iPhone 4 que j'ai. Bla. Puis, c'est ça, j'ai pas d'étui parce que ça me tombe pas d'en mettre. Mais je vais quand même vous montrer les étuis que j'ai parce que j'en ai quand même beaucoup. Donc, j'ai deux bumpers. Bumper, c'est juste le contour. Là. Un mauve comme ça. Un rose, pâle. Ah, j'espère que vous voyez bien. Puis ensuite, j'ai un étui de même qui est juste un genre mauve. J'en ai une transparente. J'ai Hello Kitty. Oh mon dieu, la couleur a changé. J'ai Hello Kitty qui est vraiment molle. J'en ai une trop belle que j'ai achetée au Stitches 5$. C'est... Mais elle est pétée. Ça, c'était là, là. C'était le même. Mais elle est trop belle. Elle est le même. Elle m'a coûté 5$, là. Mais en tout cas, elle est pétée, mais ça me dérange pas là, au prix que j'ai payé. Puis j'en ai une ici, c'est... C'est le même. C'est, tu sais, là, comme quand on était jeune puis qu'on pouvait écrire. Attendez, j'ai un petit crayon. Je peux écrire. Non. C'est comme les... Là, non, nous, on faisait ça de même, il me semble, ça c'est facile, mais... C'est genre une petite affaire, mais comme pété, là, les mains, elle tient plus, fait que je peux comme plus effacer. Mais c'est pas... C'est pour ça que je l'utilise pas vraiment, là, parce que... Elle est comme pété, fait que... C'est ça. Donc, je vais maintenant vous montrer ce qu'il y a dans mon iPhone. Donc, comme je l'ai montré, il est comme ça. Puis moi, ça fait 2 ans que je... Ben, cet été, ça va faire 2 ans que je l'ai. Puis il est encore vraiment en bon état, là. Il est genre même pas graffiné. Donc, ça, c'est ma page. J'ai une photo avec mes deux amis que j'aime full. Donc, comme ça ici. Quand je l'ouvre, ben là, j'ai un code. Puis ça se présente comme ça. Oh, j'espère que vous voyez bien. Ok. Comme ça ici. Donc, je vais commencer en bas. En bas ici, j'ai message téléphone parce que c'est les choses que j'utilise le plus. Donc, message téléphone, puis Instagram parce que je suis tout le temps là-dessus, tout ça, tout ça, tout ça. Fait que j'ai mis les trois en bas, les eux que j'utilise le plus. Ensuite, en haut, ben, j'ai mon calendrier, notes, j'ai l'horloge, les réglages. En dessous, j'ai ma musique. Mon album photo, mon appareil photo, puis ça c'est Google Maps là, parce que moi j'ai comme on pouvait pas enlever le l'application Maps là, qui vient avec l'iPhone, mais moi je trouve tellement qu'elle va mal. Donc c'est ça, cette application là va tellement mieux que Maps là, parce que la madame elle parle quand elle vous dit un chemin, puis ça gosse quand ça fait ça. Ça vous dit le bon chemin, parce que l'autre application, là, ben des fois que je ne trouvais pas ce qu'on voulait s'en aller, puis regarde. Donc, ensuite, j'ai Mail, j'ai App Store, j'ai Safari, après ça, j'ai Utilitaire. Là-dedans, j'ai tout ce qui a par rapport, le contact, calculatrice, boussole, blablabla. Puis j'ai la météo, le plan que justement, j'utilise pas, c'est trop de la merde. Messenger, ça c'est genre quand t'as des conversations Facebook. Puis ATL, ATL c'est une application, c'est comme un walkie-talkie là. Fait que si tu veux juste envoyer un message genre, à ton ami, c'est instantané là. Tu tiens le bouton, tu parles, puis ça envoie un message quoi. Là j'ai Facebook. Là j'ai PicFX. Ça c'est l'application pour modifier les photos que... Tu sais souvent quand vous voyez des petits cœurs là ou des effets genre que vous vous demandez c'est où que le monde y prenne ça, ben c'est cette application là, mais elle coûte 99 cents je pense, non 1,99 je pense,
ça. À côté, j'ai YouTube, parce qu'ils ont enlevé comme l'application, il faut la demander maintenant. Puis Twitter. Donc, c'est ça que ça ressemble à la première page. Ensuite, ma deuxième page, c'est juste ça, comme ça. J'ai fait des petites catégories, là. Donc, en premier, j'ai jeux. Fait que j'ai plein de jeux, là. Sally. Genre, toutes les Sally, là, c'est vraiment hot, là. C'est genre. Ben, pour les filles, là. C'est genre des jeux de coiffeur ou de spa, puis en tout cas. Après ça, j'ai Suzy's. Je sais même pas comment le dire, là, mais. En tout cas, moi, ma soeur me dit ça de même. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté. En tout cas, c'est vraiment hot, là. C'est genre un petit bonhomme qui se promène, là, puis que. Faut que t'attrapes les petites médailles, les dollars, là. Ensuite, j'ai Air Salon. Ça, c'est hot, là. C'est genre des bonhommes vraiment à l'aide, puis que tu fais des coiffures, genre, en tout cas. Moi et mon ami, on était accro à ça. Comme ça, j'ai Tiny Tower. Ça, c'est un autre jeu, genre. Faut que tu fasses le plus d'étages possible dans ton immeuble, genre. Puis à côté, j'ai Subway Surf. Ça, c'est genre. Le petit bonhomme. Ça sert à Temple Run, genre. Ceux qui savent, c'est quoi, là. C'est genre un petit bonhomme, puis là, faut que tu te tasses, parce qu'il y a des trains, puis genre, faut pas que tu fonces dedans. Faut que tu attrapes toutes les pièces, là. Ouais. Ensuite, j'ai Puzzle, genre, un petit. J'ai Tanzan. Ça, c'est genre. Faut que tu mettes toutes les blocs genre à bonne place pour que ça fasse la forme. En tout cas, j'ai Dotline, logo, c'est quoi le nom? Logo quiz, ça c'est vraiment hot, c'est plein de logos genre de compagnie, puis faut que tu devines c'est quoi, c'est quelle compagnie, c'est vraiment hot. Puis j'ai Candy Crush, ça aussi c'est vraiment le fun, là. C'est genre, faut t'en mettre trois pareils, là, des bonbons, là, pour que ça l'enlève, genre, en tout cas. Ensuite j'ai Divert, j'ai Bump. Bump c'est pour envoyer, avec ton set. Avec le set de ton ami, tu fais tac, là, puis tu lui envoies une photo, puis ça se transfère, là. Après ça, j'ai lampe, une lampe de poche tout le temps utile. Après ça, j'ai mixologie, ça c'est genre plein de drinks, là. Mettons, t'as un alcool, puis tu veux savoir quel drink tu peux faire avec, ben ça va te le dire. Vidéo, rappel, puis passbook. Ensuite, j'ai photographie. J'ai Photoshop, ça c'est genre. Mais je vais pas vraiment là-dessus, là, mais en tout cas, c'est comme Photoshop, mais pour le sel. Après ça, j'ai Action Movie. Ça, c'est genre, tu sais, les vidéos que vous voyez que. Qu'il y a genre une personne, que genre. Il y a un auto qui tombe dessus, puis elle explose. En tout cas, genre, des effets de même, c'est ça. Après ça, c'est Pixie Boot. Ça, c'est comme des photos d'une cabine. Il y en a comme quatre. Ça, j'ai Action Shot. Ça, c'est genre prendre des photos en action, puis ça fait un espèce de mouvement, là. Ça, j'ai Pixstitch. Ça, c'est un. Pour faire des collages, là, quand tu mets deux photos à côté ou quatre ou. En tout cas. Oups. Puis j'ai. Vidéo. Rythme. En tout cas. Ça, c'est vraiment hot, là. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un exemple, là. C'est vraiment drôle. Bon, c'est assez. Donc voilà, c'était magnifique. Puis là, il commence à faire encore. Il commence à faire de plus en plus long. Je m'excuse pour l'éclairage. Ok, donc là, je t'ai rendu. J'ai navigation. J'ai localisation, ça c'est si tu prends ton iPhone, tu peux le retrouver, tu sais exactement où. Around me, ça c'est genre si tu cherches des restos. Il y a plein de catégories, là, je vais vous montrer. J'ai la mort. Banque, bar, café, blablabla. Fait que c'est ça, si vous cherchez quelque chose proche, ça va vous le. L'indiquer. Waze, c'est pour savoir s'il y a du trafic, des accidents, tout ça. Mettons, t'es dans le trafic, tu te demandes pourquoi, tu vas checker. Puis c'est les autres gens qui sont là-dessus, ils reportent, genre, dans le fond, les accidents, les événements, fait que tu peux voir. Hotel.com, ça, c'est si tu cherches un hôtel, il y a plein d'hôtels. Puis Taxi Diamond, ça, c'est. Si tu veux savoir ça te coûte combien d'une place à une autre place, ben ça va te le dire. Puis c'est ça. Alors ça, j'ai musique, j'ai genre. I am T-Pain, là, c'est genre. Tu peux rapper comme T-Pain, en tout cas.
J'ai Shazam, ça c'est pour si mettons t'entends une tune pis t'as trouvé vraiment bonne, tu sais pas c'est quoi le titre, mais tu cherches avec ça pis ça va te le dire. Après ça j'ai Songify, ça c'est genre tu peux faire des tunes genre comme tu choisis un petit background là, de musique pis tu fais juste parler de des mots pis eux ça le met en, ça le met en musique, en tout cas c'est vraiment drôle. Pis j'ai Songza, le dernier. Ensuite j'ai genre Intérêt, je sais pas pourquoi je l'ai appelé de même. J'ai genre traduction, un dictionnaire. Tango, c'est genre comme FaceTime, mais ceux qui ont pas FaceTime, mettons, sur un Android. Là. Puis ça marche pas juste avec le Wi-Fi, genre avec l'Internet. Fait. Puis j'ai Apple Store, ça c'est si tu veux prendre un rendez-vous à Apple ou genre whatever. Comme tu peux aller, c'est rendu, ok, avec Apple. Là. Tout ce qui est qui se vend puis qui a pas de numéro de série, genre accessoires et tout. Tu cliques cette application-là, tu. Je t'ai dit, là, mon père l'a fait l'autre fois. Là, t'as, c'est comme la caméra apparaît, tu prends en photo le numéro de série, tu parles à personne. Là. Tu prends en photo le code barre, tu payes avec ça, t'as ta facture après, tu t'en vas. Tu parles même pas à un vendeur rien, puis t'achètes de quoi, genre. C'est fou, là. Puis après ça, j'ai Groupon. Ça, c'est plein de rabais. Comme dans ta région, il y a plein d'affaires, des... c'est fou, là, genre, mettons 60% de rabais, 50% genre sur, mettons, forfait spa ou genre des bijoux, genre plein d'affaires, parce que c'est vraiment le fun. Après ça, j'ai compte. Là, j'ai Desjardins, c'est pour voir mon compte de banque. À côté, j'ai TELUS, mon compte. Après, j'ai Colnet, ça c'est à l'école, là, mon compte d'école. Puis j'ai Hotmail. C'est vraiment pratique. Ma dernière application, je sais pas où la mettre, c'est Tinder. Ça, c'est genre quand même cool parce que. Mettons, ok, genre, on va le faire là. Voyons. C'est trop blanc. Là, ça cherche, il y a du monde proche de toi qui ont l'application, genre. Ah, mais là, vous allez voir mon adresse. Ok, mettons, genre, lui a apparu. Fait que là, tu fais genre. On voit pas, hein. Tu fais X ou cœur, genre, mettons, si tu le trouves beau ou laid, genre, pis comme. Si, mettons, tu fais cœur, pis que lui aussi il fait cœur, ben t'as un match, pis là tu peux y parler, genre. C'est con, là, mais genre. Tu sais, mettons, tu sors, là, tu. Mettons que tu sors, là, pis que tu veux savoir s'il y a du monde dans. Où ce que t'es, genre, qui ont l'application, genre, ben tu check. C'était mon iPhone, ce qu'il y a dans mon iPhone. Puis, je vous dis à la prochaine, et on se revoit dans un prochain vidéo. Bye!